Salut les gars, je viens de découvrir un roseau d'anacs au Cameroun. J'ai décidé de les exposer. La seule chose que je vous demande, c'est de partager cette vidéo au maximum. Voici le nouveau système que les gars ont développé pour vider vos comptes Orange Money, Mobile Money, tout le reste que vous connaissez là. Je suis sûr que beaucoup sont déjà tombés dans ce modèle-ci. J'ai décidé aujourd'hui de les exposer. Je les ai piégés, ils sont tombés. Écoutez attentivement la vidéo. Le seul merci que je demande, c'est de partager cette vidéo afin que tout le monde soit au courant de cette arnaque-là. Écoutez bien la vidéo. Ok. Allô? Oui, monsieur François, vous avez appelé? Oui, c'est bon. Oui, bien, monsieur. J'étais de disant que la date de votre mise à jour, et étant donné arrivée l'exploration, nous allons commencer les travaux de maintenant sur la fibre optique. Votre numéro et votre code, monsieur, seront momentanément suspendus et bloqués pour une durée de 48 heures. C'est-à-dire, monsieur, 2 jours vont durer les travaux. Est-ce que monsieur? Oui, je vous écoute. Déjà, monsieur, vous nous répondez depuis quelle région? Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Bafoussam. Oui, monsieur, puisque le moniteur est en train de signaler ici que vous avez encore exactement que 2 minutes, monsieur, pour vous faire enregistrer, monsieur. Combien de minutes, grand, s'il vous plaît? 2 minutes, monsieur. 20 minutes. Neuf minutes. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez votre carte nationale avec vous? Non, ma carte, j'ai perdu ma carte. Vous avez perdu la carte? Oui. Et la carte que vous avez perdue, c'est avec ça que vous avez identifié le numéro? Oui, c'était avec ça. Eh bien, monsieur, étant donné que vous avez encore exactement que 9 minutes, monsieur, pour vous faire enregistrer, je serai donc obligé, n'est-ce pas, monsieur, de prolonger la validité de votre numéro de 6 mois, de vous ajuster 6 mois, comme ça vous aurez le temps de le faire prochainement, pour que votre numéro ne soit pas suspendu maintenant, vous suivez? Quand mon numéro est suspendu, je ne peux plus recevoir les appels ou bien faire les oranges avec, ou bien... Non, monsieur, quand on suspend quelque chose, quand on suspend le numéro, vous allez donc avoir les appels comment? Ouais, c'est très grave. Étant donné que vous avez encore 2 minutes pour faire un reçu. Oh non, il n'envoie pas. Orange n'envoie pas souvent le message, grand, parce que je n'ai pas vu le message. Écoutez donc, monsieur. Étant donné que vous avez encore exactement 9 minutes pour faire un reçu, je serai donc obligé, n'est-ce pas, monsieur, de prolonger la validité de votre numéro de 6 mois. D'accord. De vous ajuster 6 mois. Comme ça, vous aurez le temps de le faire prochainement pour que votre numéro ne soit pas suspendu maintenant, vous suivez? Je vous suis, merci. Bien, monsieur. Et pour vérification, monsieur, je vais vous envoyer un message. Vous préférez qu'on vous envoie un message en français ou bien en anglais, monsieur? En français. Bien, monsieur. Le téléphone que vous utilisez, monsieur, c'est un téléphone manuel à bouton, mais c'est un téléphone Android. C'est à bouton. Bien, monsieur. Sur votre petit téléphone à bouton, monsieur, sans toutefois rapprocher. J'ai dit, bien, monsieur, sans rapprocher, appuyez sur... 199 jazz, oui, monsieur. Ok, c'est bon. Appuyez directement sur le téléphone, ça va s'afficher, monsieur. J'appuie où? Directement sur votre téléphone sans raccrocher, mais ça va s'afficher, monsieur. Oui, j'ai appuyé. Sur votre téléphone, monsieur. Oui. Vous avez composé J-189 sur votre téléphone, monsieur? Oui, j'ai lancé. Le message est là? Je n'ai pas encore reçu le message. Parce que vous n'avez pas appelé J-189, monsieur. Je suis devant l'écran de contrôle, monsieur. Ah, J-189. C'est ça que j'ai lancé. Vous avez un téléphone manuel à bouton, n'est-ce pas? Oui. Vous composez J va s'afficher sur votre téléphone. Vous mettez 199, tout ça va s'afficher sur votre téléphone, mettez J à la fin. Vous validez sur la SIM orale, mais ça va s'afficher immédiatement, monsieur. Oui. Il y a un message qui vient là. Où c'est quoi là? Pardon? Oui, je vois le message. Où c'est appuyer quoi là? Monsieur, vous, c'est quel message qui vous demande d'appuyer? Vous ne pouvez pas lire le message? Mon écran a un problème, je ne peux même pas bien lire, mais mon écran ne s'affiche pas bien. Bien, monsieur, vous avez donc tout simplement passé à faire un état de suspension. Bonjour, monsieur. Ah, un bandit comme toi, là, tu penses que vous pouvez voler tout le monde? Con.
Salopard. Il a raccroché. Il a raccroché. Dès qu'il a compris que le type-ci est en train de me piéger. Le type-ci sait ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que quand il tape sur étoile 100, ou c'est jazz 199 jazz ou c'est quoi là. Quand tu tapes ça sur ton téléphone, ça vide directement ton compte. De même si tu as combien, directement ça part chez eux. Ce sont des trucs qu'ils ont programmés. Et c'est de la même manière que vous passez le temps à vous plaindre qu'on a piraté votre compte, qu'on a piraté votre page Facebook. Vous restez parfois comme ça, on vous envoie un message. Ce sont les mêmes gens. On vous envoie un message par WhatsApp que nous avons signé, nous voulons que vous signiez un contrat avec une entreprise où vous allez toucher 700$ chaque fin du mois, bien chaque fin de semaine. Cliquez sur le lien ici pour avoir plus, plus d'explications, pour avoir plus d'informations. Dès que tu cliques sur le lien là, ça va s'ouvrir, on va demander de cliquer encore peut-être un autre truc comme ça. Dès que tu cliques, bam, on pirate ton compte, bam, on pirate ta page. Faites attention aux liens que vous passez le temps à qu'on vous envoie sur YouTube, qu'on vous envoie sur WhatsApp, qu'on vous envoie même parfois sur Messenger, que clique sur ça pour voir. Parfois on te dit un lien que il y a eu tel truc qui s'est passé. Ne cliquez plus sur les liens qu'on vous envoie. Même si on vous envoie des liens, ne cliquez pas dessus. Donc, soyez malin. Si la vidéo si te plaît vraiment, partage. Et si tu es nouveau, abonne-toi. J'ai dit que ne tombez plus sur le modèle. Vous voyez qu'il m'appelle avec un numéro privé, un numéro personnel. Hein, un numéro personnel. Alors que c'est normalement, quand c'est Orange qui t'appelle, ça, c'est, ou c'est le 80-90 ou c'est quoi comme ça. C'est un code de. En fait, c'est un code de 4 chiffres. Ce n'est pas un numéro de 9 chiffres. Même quand c'est MTN, c'est un code ou c'est 126 ou 123. En fait, ce n'est pas un numéro personnel qui t'appelle. Donc, soyez vigilant. D'autres vont t'envoyer un message, le copier-coller, copie le message d'un dépôt. Il te renvoie, il t'appelle encore après, il te dit que pardon, je viens de faire une erreur là pour le dépôt. Pardon, vérifie ton téléphone. Et tu vérifies, tu n'as pas le temps d'aller regarder en tête pour lui dire c'est Orange, c'est MTN. Alors que c'est un numéro privé qui t'envoie un message là. Dès que tu lis ça, tu tombes dans leur modèle. Il te dit papa, pardon, envoie-moi même 80 000, envoie-moi même 100 000, envoie-moi même 80 000 sur les 100 000 qu'il vient de t'envoyer. Si tu ne vérifies pas, si tu as l'argent, tu vas leur envoyer même ton argent. Et parfois même, dès qu'ils ont eu un truc là qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu ton numéro de téléphone, ils planifient, ils sont en train de guetter. Donc si tu tapes ton mot de passe, si tu pars pour vérifier même ton compte, tu tapes ton mot de passe, ça, pam, ils vont vider ton compte. Soyez malin. Faites très attention, les gars. C'est comme ça que le gars voulait vider mon compte Orange Money. Orange, j'ai fait votre publicité, ça vous allez me payer. Dénonce les arnaqueurs comme ça. Vous allez. J'espère, les gars, que vous avez compris le nouveau système que les gars ont mis sur pied pour arnaquer les gens. Hmm? RIP à mon grand frère Martinez Ozogo. On attend toujours la justice. Moi, j'ai envie de rire. Hein. Pourquoi? Vous savez, donc, nous sommes dans une société où les choses vont dans tous les sens, ouais. Où les gens ne sont pas vrais, où les gens sont faux. Nous sommes dans une société où les gens ont été habitués au mensonge, à la flagonnerie. Je le dis tous les jours que Dieu a créé. Et forcément, dans une société comme la nôtre, pour faire semblant de la parfaire, il faut des hommes vrais, qui disent la vérité courageusement, qui disent les choses telles qu'elles sont, et qui ont le courage de dire la vérité aux gens en face. Ce n'est que de cette façon-là qu'on réussira au moins à changer les comportements des uns et des autres, à revoir les mentalités de certains Camerounais. Sinon, on est perdu. Hein. Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.